Salut à tous, c'est Mag. Dans cette vidéo, on va parler quelques éclairs. Je ne sais pas si on l'a entendu. Je vais le remettre. Voilà, je l'ai remis exprès pour qu'on l'entende bien. Avant que je fasse les activités, je vais au moins en parler des orages. Pourquoi je vais en parler? Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un orage? Ben. La première chose, la raison de ne pas rester derrière un arbre caché au-dessus, le foutre d'un orage peut tomber de l'arbre, et ça, c'est la règle, c'est dangereux. Par exemple, faire comme moi, faire des vidéos. On me dit souvent que c'est dangereux, patati patata.
On peut le faire. Parce qu'on aime bien le faire, les arbres. Mais il faut bien être sécurité pour faire ça. Enfin, toute une histoire. Regardez par exemple les nuages ici qui sont là. On va dire que ce sont déjà les nuages orange. Regardez. Je vais mettre. Ah. Un nuage orange, ça monte, ça gonfle, gonfle. C'est l'air, oh, du chaud et du froid en même temps. Regardez, il est haut, comme ça. Il peut gonfler. Mais ici, on ne dit pas que c'est un nuage orange. Le froid celui-ci qui est en face. Il y a une différence. On sait qu'il y a un orage, que parfois c'est dangereux. L'éclair. Bon, il y a parfois des orages très très violents. Il vaut toujours bien rester chez eux parce que de l'eau inondée, l'eau peut rentrer dans votre garage, dans votre cave, si tu vois comme ça, après ça fait plein de dégâts. Puis après ça, il y a les plaies de pompiers, tout ça, mais bon. La foudre d'un orage peut attaquer un grand auteur. C'est quand il fait super chaud, quand il va être 5, 24, 35 degrés. Là, c'est sûr on peut avoir risqué d'avoir des averses orageuses. Donc, orageux, c'est violent. Et s'il y a encore plus que violent, alors là, à ce moment-là, il faut bien rester bien à la maison. Parce que la pluie peut tomber. Elle peut tomber super, super fort. Il peut y avoir de l'eau, un petit peu dans la maison. L'eau, on ne sait jamais l'arrêter, l'eau. L'eau est puissante, donc voilà. Ça vaut bien prévenir, quoi. Par exemple, on peut perdre. Désolé, toi ici, il était un peu emmerdant. On peut avoir des énormes dos. Donc là, à ce moment-là, il y aura beaucoup de secours des pompiers, des. Bon, la commune et tout ça. Dans chaque commune, dans chaque ville. Et c'est ça. En France, en Belgique, les oranges viennent plus vers la France. Donc, c'est pour ça que j'en parle, parce que regardez les nuages, quand il y a un nuage comme ça par exemple, on va dire que c'est un gros nuage qui commence à avoir des orages. Des orages très 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 violents. Je regarde s'il y a quoi dans le ciel. On va peut-être te béquiller dans le ciel. Alors, quand il y a de l'eau comme ça et qu'ils vont promener dehors, protégez quand même bien vous parce que on me l'a dit. Par contre, moi j'ai. Oups. Par contre, moi j'aime bien les orages et voilà. J'ai envie de faire toute la vie des vidéos sur les orages. Mais pour des sécurités, c'est dangereux. Ce qu'il faut faire des vidéos comme moi, il faut faire attention. La prochaine fois, ils se ramassent leur gueule, ces deux-là. Bon. J'espère que vous avez bien entendu. Mais par exemple, moi je fais des vidéos. Bon. On va dire que je filme les orages, voilà. Et qu'il y a, on va dire qu'il y a un éclair, ben.
Faut attention. Je sais qu'il y en a qui font des caméras spéciales pour voir vraiment des éclairs et tout ça, faire des orages. Mais bon, voilà. Nous, c'est là-dessus. C'est tout pour cette vidéo des orages. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.